Allez, retour du VTT ouvreur et le dénouement et la victoire pour le sociétaire du Poiré Survie. Justin Martineau qui s'impose dans cette catégorie des minimes devant le sociétaire du Corps Maris Triathlon Léopold Famine. Le podium sera complété par Matteo Deo pour les couleurs de Fontenay-le-Comte. Allez, les couleurs des Sables Vendée Triathlon pour la quatrième place d'Eliott Fallot. Donne-le au camion là. Evan Lecomte pour les Herbiers Vendée Triathlon prendra la cinquième place dans cette catégorie minime. Devant Kylian Bourreau. Les couleurs du Triathlon Club Nantais avec Elias Moreau à l'arrivée. Devant le sociétaire des Herbiers Vendée Triathlon, Dorian Sourisseau. Et Charline Aubiro, son coéquipier en 9e position. La Ferté-Bernard avec la 10e place de Léo Babin. Un Titouan Rousier du Mat 72 en 11e position. Malo Galerne du Trivelos en 12e position devant Martin Simon pour les Herbiers. Hippolyte Rétière en a terminé. Allez, je vous rappelle, mesdames et messieurs, qu'à 15h, à côté du car podium d'animation de GPS, sera proposé en tout cas aux enfants, une animation, le trottinathlon, animation gratuite, proposée par un des éducateurs du club de Saint-Jean-de-Mont-Vendée Triathlon. Donc à partir de 15h, à côté du car podium, animation trottinathlon gratuite pour les enfants. Allez, on a vu l'arrivée de Clément Kesterberg et puis chez les Benjamins, la victoire d'Elian Gabory pour les couleurs du pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Allez, toujours chez les minimes, les arrivées de Nathan 19, Pierre Moreau, Clément Soulard, Timothée Rétière, lui chez les Benjamins, prend la deuxième place. La deuxième place donc pour le sociétaire du Trivelos Saint-Sébastien devant Langevin, Marius Conner, qui devrait donc compléter le podium dans cette catégorie des Benjamins. Et l'arrivée triomphale de Rachel Luçon.
Rachel Luçon, est-ce qu'il y a eu un problème de puce, hein, parce que elle vient d'arriver, je ne l'ai pas visualisé sur la tablette. Marc-Antoine, je ne sais pas. Axel Kesterberg donc a franchi la ligne en deuxième position pour les couleurs du Biestri Athlon Saint-Nazaire. Alors que dans la catégorie des minimes, hein, Aloïs Frader vient d'en terminer. Allez, deux petites informations. Donc, on va demander aux athlètes de commencer à évacuer leur vélo dans l'aire de transition. Le temps pour nous de préparer les podiums et de vous donner rendez-vous allez, d'ici une petite quinzaine de minutes donc, pour la cérémonie protocolaire de récompense pour les différentes catégories. Allez, Loupenisson, on a terminé, elle devrait prendre la troisième place, hein, puisqu'on a dans cette catégorie Benjamin. On a vu les arrivées de Rachel Luçon, Axel Kesterberg et donc Loupenisson en troisième position. Chez les Benjamin Garçons, la quatrième place de Julien Farjas devant Owen Grelet et Romain Lecam. Alicia Callens, Aurel prendra la quatrième place chez les Benjamin devant Rose Guérin-Cavaro et Manon Maté. Allez, on va en profiter une nouvelle fois, mesdames et messieurs, pour tout d'abord vous souhaiter la bienvenue ici à Saint-Jean-de-Monts pour ce traditionnel rendez-vous de début de saison, le Duathlon International. L'occasion pour nous également de remercier cette fois-ci les partenaires institutionnels qui soutiennent cet événement. Allez, on va accueillir et saluer l'arrivée là, de ce garçon qui va clôturer les épreuves jeunes de ce début d'après-midi. Allez, vos applaudissements. Bravo, jeune homme. Accompagné par les VTT ouvreurs et les secouristes. J'ai de Nathan